Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous plaît. Poto d'attache, nous avons débuté l'année 2023 et on poursuit comme ça avec des témoignages. Avec des témoignages comme ça. J'espère jusqu'à la fin de l'année être présente pour pouvoir vous bénir au travers de nombreux témoignages que nous recevons. Mais avant de pouvoir avancer, ma chérie, pourquoi tu caches ton témoignage, tu le mets sous ton lit? Aller partout dans le monde, là, c'est aussi pour dire, annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ continue à guérir, que Jésus-Christ continue à bénir, que Jésus-Christ continue à être le fidèle protecteur, le fidèle père. Ma chérie, mon frère, envoie ton témoignage. Le numéro est juste en bas. Envoie par adresse email, c'est toi qui vois. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, vous connaissez déjà la chanson. Envoyez vos témoignages, on va partager avec nos amis, on va partager avec nos bien-aimés. Quand quelqu'un va te demander un conseil, quand tu sais que la sœur Anna a déjà parlé d'un témoignage qui touche ce sujet-là, tu ne parles même pas beaucoup. Tu prends le lien sur Gospel Cross, déjà tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification pour ne pas manquer une seule émission. Tu prends le lien, tu envoies à la personne. La personne écoute les témoignages et puis la personne même a la solution à son problème. Parce que moi, je crois que le témoignage fortifie, mais au-delà de fortifier, le témoignage apporte quelque chose de spécial. Et je pense que toi aussi, tu le crois. Donc, n'hésite surtout pas à envoyer ton témoignage parce que pour faire vivre l'émission, il faut des témoignages. Je vais voir sur Internet, mais moi, j'aime les témoignages quand je les reçois aussi de votre part. Ça crée un lien particulier entre moi et les interlocuteurs. Et ne faites pas attention, hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Mais bon, moi, j'aime bien être naturelle, donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va faire la continuité avec le témoignage que vous avez suivi de Sandra. Pour ceux qui n'ont pas suivi le témoignage, je vous invite, il y a le lien juste en bas, en barre d'infos. Allez-y voir le témoignage de Sandra que j'avais vu sur le site internet AMC TV. Un témoignage d'une jeune fille âgée de 18 ans qui avait vraiment des pensées suicidaires, des envies vraiment de mettre terme à sa vie, des questionnements. Elle n'était même pas croyante. Et vous allez comprendre ce qui s'est déroulé parce qu'à la fin, Jésus-Christ a gagné. Comme d'habitude, Jésus-Christ est le dernier mot. Mais c'est juste qu'au début, on a toujours l'impression que, mais à la fin, on connaît déjà que notre Seigneur Jésus-Christ a la victoire. Sinon, pour toute la tâche n'allait pas exister. Donc, c'est dans la continuité qu'aujourd'hui, je vais vous partager le témoignage d'une personne qui a souhaité être anonyme. Parce qu'aujourd'hui, c'est une sœur qui est mariée avec un bon frère dans ce message. Donc, elle ne voulait pas forcément que les gens puissent savoir qu'il s'agit de cette personne. Parce que bon, on ne sait jamais. Il y a des personnes comme ça. Et moi, je respecte. D'où le fait que je vous dis que l'anonymat est respecté chez Gospel Cross. En tout cas, dans mon émission Poto d'attache. Et même dans plein d'autres choses chez nous. On respecte en tout cas le choix de nos interlocuteurs. Alors, c'est une jeune fille qui n'est pas né dans le message. On va choisir un pays au hasard en Afrique, parce que en Afrique, je vais parler de la Côte d'Ivoire à ce moment-là. On va l'appeler Maëva. Voilà. Donc, elle s'appelle Maëva et à ce moment de l'histoire, elle est à Cocody. Donc, pour ceux qui connaissent Cocody, là, c'est un secteur comme ça de la Côte d'Ivoire. Elle est à Cocody. Elle est âgée de 25 ans. Ok, donc j'essaye de brouiller les pistes. Donc, j'ai changé le nom du pays, j'ai changé le prénom de la personne et l'âge. OK? Donc, 25 ans, Maëva, Cocody, Côte d'Ivoire. C'est une très, très, très belle fille. Une très belle fille. En tout cas, même moi-même, quand je l'ai vue, j'ai dit oui. Le Seigneur Jésus-Christ a créé des personnes. Elle est très, très belle, très intelligente, très élégante. Elle s'exprime très bien en français. Elle a évolué dans une famille, on va pas dire très riche, mais pas pauvre non plus, des personnes normaux, quoi. Elle n'a pas manqué d'argent, elle avait de quoi payer ses études. Donc, il y avait pas une histoire de « je n'ai pas l'argent pour payer mes études », non. Elle était bien. Le seul hic, c'est que son père avait abandonné sa mère depuis qu'elle était, on va dire, à l'âge de 10 ans, 15 ans, pour aller chez une deuxième femme, voilà. Comme ça arrive souvent en Afrique où il y a des papas qui restent et puis il y a ceux qui partent. En tout cas, elle, son père est parti et cela a créé un grand traumatisme dans le cœur de Maëva. Elle a vraiment commencé à voir les hommes comme des personnes vraiment très méchantes, très toxiques. Elle a vraiment, vraiment cette sensation d'abandon. Ça a vraiment fait
quelque chose dans Maeva. Quand son papa a quitté, elle s'est dit, je vais me venger, je vais continuer à travailler. Et en plus, quand son père il est parti, il a vraiment coupé les ponts. Et sa maman a eu du mal à se remettre. Elle a commencé à sombrer dans l'alcool. Et Maeva a commencé à voir sa vie qu'elle avait normale être modifiée par le départ de son père. Sa maman, qui était une femme épanouie, est devenue une femme limite alcoolique, une femme qui ne se donnait plus énormément à son travail. Donc Maeva va redoubler d'efforts à l'école parce qu'elle avait des petits frères et des petites sœurs derrière elle. Elle va se dire, il faut que je réussisse, il faut que je tienne. Et malheureusement, quand sa mère va arrêter de travailler, ça va impacter aussi leur vie au quotidien, déjà que le père n'était plus là. Donc toutes ces choses vont faire que Maeva, un jour, elle va aller dans un restaurant avec des amis. Vous savez, des fois, on sort un peu les week-ends entre nous, les jeunes filles. Elle va aller avec ses amis, ils vont aller quelque part dans un bon restaurant à Cocody. Et elle va tomber sur une personne, une femme comme elle, mais encore plus belle. C'est-à-dire, quand Maeva même, elle me dit, je dis, très très belle, une femme très élégante qui arrive dans une belle voiture, Range Rover Sport et tout. Elle s'assoit, elle est seule, elle est en train de manger et tout. Maeva, elle va avoir son courage et leurs regards vont se croiser. Et la dame va dire à Maeva, ah, t'es une très belle fille. Maeva, elle va dire merci et tout. Et la dame va l'appeler sur sa table avec son amie. Elle était avec sa copine. Ils vont s'asseoir avec la dame. Ils vont commencer à discuter, faire connaissance. Et finalement, ils vont créer un lien. Franchement, ça va bien se passer. La dame va donner sa carte de visite à Maeva et va lui dire, écoute, tu me recontactes et tout. On garde contact, tu as du potentiel. C'est comme ça que Maeva va recontacter la dame quelques heures après, parce que vraiment Maeva elle-même, elle était, même si elle n'était pas pauvre, mais elle sentait vraiment que cette personne avait quelque chose de différent, quelque chose en plus. Or que cette femme était ce qu'on appelle un peu les proxénètes. C'est-à-dire, c'est le genre de personne qui remarque des belles filles, des belles jeunes filles, des belles femmes, des belles filles d'avenir, même des hommes, et qui vont te faire rentrer dans un circuit. Je pense que vous avez vu même ce qui se passait un peu dans, il y a quelques années sur les réseaux, le porti-porta, Dubaï, et toutes ces histoires. Donc, on va dire que cette femme-là, on va l'appeler qui même? En tout cas, on va l'appeler méchante. En tout cas, méchante était dans ce circuit de Dubaï, de partir, de voyager, de sortir avec des hommes, de faire plein de choses vraiment très bizarres. Et c'est comme ça qu'elle va faire rentrer Maeva dans cette vie. Il faut savoir, comme je l'ai dit, Maeva avait déjà une blessure intérieure, l'abandon de son père. Donc, le fait de sortir avec cette femme, la femme va l'emmener dans des bons lieux, dans des beaux restaurants. Elle va commencer à se sentir bien. Et au début, la femme ne va pas lui parler de la contrepartie de cette histoire d'avoir des relations, jusqu'à ce que ça va arriver dans le sujet. Elle va lui dire, écoute, moi j'ai telle personne qui t'a vu, qui t'a apprécié, je veux que. Au début, Maeva avait un peu peur, mais il faut savoir que Maeva avait déjà des relations avec des hommes dans le passé. Donc c'est pas comme si elle était vierge et tout. Bon, au début elle avait eu peur, mais après facilement elle s'est adonnée à ça. Et sa mère n'avait pas beaucoup de contrôle sur Maeva, vu qu'elle-même elle était devenue une femme alcoolique. Donc il n'y avait plus de figure paternelle, il n'y avait plus de contrôle parental. Maeva disait qu'elle partait à l'école, parfois elle ne partait plus et elle se retrouvait à partir à gauche et à droite. Elle ramenait de l'argent, des beaux vêtements, de ça, de ci, de luxe. Et puis Maeva s'est donnée, elle a commencé à avoir des relations avec des hommes à gauche, à droite, des gens très aisés. Des papas, des tontons, des jeunes garçons, des personnes, des personnalités, comme elle-même elle le dit. Elle s'est donnée à ça et finalement, dans cette vie, l'alcool est venu avec. Et dans l'alcool, la drogue est venue avec. Parce que énormément de femmes, lorsqu'ils font ce genre de choses, et surtout que Maeva, elle arrivait au stade où elle faisait même ce qu'on appelle des partouzes, donc des relations avec plusieurs hommes, parfois il faut beaucoup de courage. Et ce courage, d'autres personnes l'ont avec des choses comme des drogues, etc. Et Maeva va se plonger dans ça. Mais elle va le faire, elle va le faire. Mais c'est parce qu'au fait, au fond de Maeva même, il y avait un grand vide en elle. Ça me fait penser à une chanson même d'une artiste, Esther Osungu, qui a chanté le vide. Elle avait un vide, le vide là, c'est son papa qui a créé ça. Il est parti, il n'a rien dit. Elle se rend compte que son père les quitte pour une autre femme. Donc, elles se sont abandonnées, délaissées. Et cette nouvelle vie était comme un échappatoire pour Maeva. Sandra, du témoignage précédent, c'était l'envie de suicide. Pour Maeva, s'adonner aux relations sexuelles avec des hommes, c'était une façon pour elle
de faire le vide, d'oublier ce qui s'était passé avec son père, d'oublier cette solitude, d'oublier ce vide profond qu'elle avait. Malheureusement, c'est le piège de beaucoup de personnes qui s'adonnent parfois à certaines pratiques, pas parce qu'au fond ils sont comme ça, mais parce qu'ils ont un vide qu'ils n'arrivent pas à combler et qui comble avec ses plaisirs charnels. Et un jour, elle va avoir un client parce que c'est de la prostitution déguisée. Maëva, elle ne se met pas sur la route pour chercher des hommes, mais c'est aussi une forme de prostitution que de s'adonner comme ça à beaucoup de rapports avec plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'un jour, elle va avoir une personne avec qui normalement elle devait faire ses affaires pour avoir son argent. Et finalement, cette personne va un peu s'intéresser un peu plus à Maëva, va demander un peu à Maëva, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout et tout. Et Maëva, elle va expliquer son parcours. Je ne sais pas comment vous dire, mais apparemment, cette personne était chrétien ou en tout cas, c'était comme une personne qui... Je n'ai pas bien compris cette partie, mais de ce que j'ai compris, je pense que c'était une personne qui travaillait à la police ou quelque chose comme ça. Et ça arrive souvent. Qui est rentré dans le circuit pour voir ce qui se passait parce que les histoires de proxénètes, c'est condamnable par la loi. Et donc, cette personne était vraiment rentrée dans là pour le circuit. Donc, il n'a vraiment pas touché Maëva. Mais finalement, il s'avère que cette personne était un chrétien. Et il a commencé à parler du Seigneur Jésus-Christ à Maëva. Et il a commencé à s'intéresser à elle parce qu'il s'est dit, mais comment une belle fille comme cette fille, comment une fille aussi intellectuelle, aisée, qui s'exprime bien, peut se retrouver dans ça. Et là, il va se poser énormément de questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Maëva parce que c'est tellement long que je ne pourrais pas le faire en une seule vidéo. Alors, restez bien branchés. Abonnez-vous à notre chaîne. Cochez la cloche de notification et on se retrouve lundi pour la suite de notre histoire pour connaître où cette histoire va aboutir. Est-ce que Maëva va s'en sortir ou pas? Vous le saurez la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous. Et n'oubliez jamais que Jésus-Christ est et sera le même pour vous. Si seulement vous pouvez le croire et le saisir. Shalom !